Voilà le titre, l'intitulé de cette conférence qui a été rédigée par Nelly, qui s'en va là. C'est « Avant de prétendre perfectionner la nature, ne faut-il pas mieux connaître ses trésors ?» Alors, je vous présente nos conférenciers. Il y a Sylvie Poutot, qui est de l'Institut national de la recherche agronomique et qui est un peu à l'initiative, si ce n'est pas totalement responsable, d'une entreprise qui s'appelle « Pour l'université du vivant ». Je vous expliquerai ça tout à l'heure. C'est une biologiste et elle milite pour qu'on ait d'autres rapports au monde vivant, si je ne me trompe pas. Il y a Lélian Ceballos, qui est maintenant chercheur indépendant et qui travaille notamment sur les traditions, on va dire, agroécologiques, qui deviennent très, très nécessaires à fur et à mesure qu'on atteint les limites de la monoculture sur herbicides, que vous savez. Il y a à ma gauche... prénom, Éric Meunier, d'InfoGM, qui est une organisation qui travaille très efficacement à faire connaître aux journalistes scientifiques et au grand public en général ce qui se passe dans le monde des OGM. Et je suis Marie-Paule Nougaret, je suis journaliste et je travaille dans le domaine de l'écologie depuis plusieurs années. Donc la question c'est, avant de prétendre perfectionner la nature, ne faut-il pas mieux connaître ses trésors ? Quand j'ai vu cette question, je me suis vraiment demandé si les choses n'avaient pas changé dans la mentalité des gens en général, parce qu'il m'est arrivé d'interviewer, comme journaliste scientifique, il m'est arrivé d'interviewer un physicien théoricien extrêmement connu qui s'appelle Stephen Hawking, qui est cloué dans une chaise roulante, qui ne peut pas parler sinon avec deux doigts qui bougent à peine de sa main gauche sur un petit boîtier. Et devant lui, il a une maladie très très grave, évidemment. Et devant lui, il a un écran où défilent des mots. Et il construit des phrases en prenant des mots. Et s'il n'a pas le mot, il peut le construire avec des lettres. Et évidemment, s'il construit un mot avec des lettres, il va en perdre d'autres dans la mémoire. Donc il est toujours en train de calculer quel mot il faut utiliser. Et c'est un type qui est un écrivain magnifique. Il a écrit des livres avec ce système. Et vu le mal et la douleur que lui coûte tout ce qu'il écrit, on peut considérer que chaque mot est extrêmement pesé. Et donc, je l'avais interviewé il y a bien longtemps, c'était en 1988, et je lui avais dit, à vous lire, on dirait que pour vous, la nature, c'est uniquement un assemblage de gènes, quelque chose de complètement mécanique, un assemblage de gènes où on peut changer les uns par les autres, etc. Il me dit, oui, c'est tout à fait ça. Enfin, il écrit sur l'écran, puis il me regarde, il écrit sur l'écran, puis il y a une voix artificielle qui me dit « oui, c'est tout à fait ça ». Et puis, je lui dis « oui, mais vous n'avez pas l'impression que le tout est un peu plus que la somme des parties ?» Comme disait Pascal, et j'ai appris depuis, je ne savais pas à l'époque. Et il me dit « non, pour les ordinateurs, c'est vrai aussi, vous ne pensez pas qu'ils ont une âme ?» Et il commençait à lancer la conversation sur la question métaphysique. Moi, très prudente, je reviens à l'écologie, je lui dis « oui, mais enfin bon, avant de transférer des gènes, il faut en disposer. À l'heure actuelle, la biodiversité est en train de disparaître et tout ça. » Alors, et il dit « la biodiversité, on peut faire beaucoup mieux, il me dit, on peut faire beaucoup mieux. » Et je pense qu'aujourd'hui, Stephen Hawking ne ferait pas cette réponse. Parce que le problème de la disparition de la biodiversité est maintenant connu et reconnu. Bien que Éric Meunier me dise qu'il en voit tous les jours des scientifiques qui le pensent encore, mais il vous expliquera ça. Donc je pense que dans l'esprit du public, le fait que la biodiversité est irremplaçable, qu'il y a une certaine perfection de la nature, et en tout cas qu'elle est difficilement perfectible, est vraiment entrée dans la mentalité collective, en tout cas je l'espère. Et puis... je voudrais aussi, comme je viens de travailler pas mal sur les pollutions pendant plusieurs années et sur les conditions de culture des plantes dans un monde pollué, j'ai eu à lire le compte-rendu d'une expérience où ce qui s'est passé en URSS, qui n'est pas celle qui vient de finir où personne était à l'isolement pendant 535 jours, mais une expérience précédente où les trois Russes étaient à l'isolement pendant... 3 mois, je pense, dans l'idée d'apprendre à vivre dans une sorte de boîte de conserve pour faire des voyages spatiaux très très longs. Et parmi les expériences qu'ils avaient à faire pendant ces 3 mois, où ils étaient coupés du monde, ils devaient semer 100 grains de blé, les cultiver, les moissonner, les faire cuire et les manger. Et ils ont dit après, dans le compte-rendu d'expérience,
que la chose la plus dure et la plus pénible, ça avait été de tuer les grains de blé, qu'ils étaient devenus comme les 100 autres passagers de leur expérience, et que c'était comme s'ils avaient tué 100 de leurs camarades. Et bon, quand on voit comment la NASA procède quand elle cultive des plantes dans l'espace, dans la NASA, ce sont des expériences qui sont payées par des industriels privés. Donc il y a un conteneur qui part avec la navette, il est fermé, il est scellé, les astronautes ne voient pas ce qu'il y a dedans. Et ensuite, quand on redescend, le conteneur est ouvert et tout ça est sous brevet, absolument protégé. Les astronautes n'y ont absolument pas accès. Les Russes, dans la station internationale, c'est beaucoup plus le bazar. Ils ont des cultures dans tous les coins. Ils ont des... Et à un moment donné, les astronautes américains ont demandé à la NASA de pouvoir eux aussi revoir les plantes et qui pensaient que c'était très important, surtout on se devait faire des voyages dans l'espace de longue durée, d'avoir des plantes, ils appelaient ça des plantes de compagnie. Des plantes de compagnie. Donc c'est juste pour dire que nos rapports aux plantes sont loin d'être seulement utilitaires. Et que si on doit perfectionner la nature, il faut aussi penser à ces choses-là. Et puis, je voudrais vous parler un petit peu du travail que fait la nature, qui est un mot un peu difficile à manier, parce que beaucoup d'entre nous pensent que la nature, l'homme en fait partie. C'est un peu difficile de considérer qu'on en est coupé. Mais le fait est que la végétation et les bactéries font un travail absolument extraordinaire au jour le jour pour nous, à chaque seconde, à chaque minute. Et je voudrais citer seulement au moins deux choses. La première, c'est que l'oxygène, le taux d'oxygène sur Terre est calé à 20,8% depuis 500 millions d'années. On ne sait pas pourquoi. Ce qu'on sait, c'est que c'est un taux idéal pour les mammifères et tous les êtres qui respirent. Ce qu'on sait, c'est que si le taux d'oxygène dans l'atmosphère terrestre était à 23%, par exemple, ben, il y aurait des incendies chaque fois qu'il y a de la foudre. Et rien qu'en France, la foudre tombe 1 million de fois par an, juste pour vous donner une idée. On sait aussi que... Ce travail est accompli par les végétaux et par le plancton, principalement l'être planctonique le plus répandu au monde, qui s'appelle Procochlorococcus. Il y en a 150 millions par litre d'eau de mer dans les eaux tropicales. On a cru jusqu'aux années 80 que ces eaux étaient stériles. On s'est rendu compte qu'elles étaient extrêmement habitées par des êtres unicellulaires qui pratiquent la photosynthèse et qui se divisent tous les soirs au coucher du soleil. Régulièrement comme une horloge, et ça, une bonne partie de l'oxygène nous vient de là. Et comment l'oxygène est calé à 20,8%, ça reste un mystère. Si on était à 18%, on ne pourrait pas respirer, toute la vie respiratoire serait bloquée. Je vous rappelle que le climat peut être modifié par 2 ppm de CO2, de gaz carbonique, et là il s'agit de 20,8%. Et ça me paraît extrêmement bien organisé. Je ne vois pas comment on peut perfectionner ça. Un autre domaine où la végétation et les bactéries travaillent énormément pour nous, c'est par exemple pour la dépollution de l'air et de l'eau. De l'air, j'en ai parlé un peu avec l'oxygène, mais je vais vous parler un peu de la dépollution de l'eau. Beaucoup d'entre vous sont au courant, mais tout le monde ne l'est pas. Donc, les systèmes aquatiques, les zones aquatiques où poussent des végétaux, la végétation aquatique, presque toujours, ce sont des plantes qui ont des tiges creuses. Vous avez ça dans les roseaux, vous avez ça dans les cannes de Provence, vous avez ça dans le lotus, vous avez ça dans... énormément de plantes aquatiques ont des tiges creuses. Et souvent, la tige prend racine dans l'eau. C'est-à-dire que grâce à cette tige creuse, de l'air descend au fond de l'eau. De l'air chargé d'oxygène que la plante elle-même produit, je vous rappelle. Voilà. Donc cet oxygène fabriqué par les plantes arrive au fond de l'eau et là, il est respiré par des bactéries qui soit détruisent les pollutions organiques, c'est-à-dire les pollutions dérivées d'êtres vivants, soit s'il y a des pollutions chimiques très lourdes, y compris avec des métaux lourds, fabriquent des complexes et les stockent dans les rhizomes des plantes aquatiques qui, pour la plupart, fabriquent des rhizomes. Et à cause de cela, c'est très très bon pour les poissons, c'est bon pour la vie aquatique, c'est bon pour le nettoyage de l'eau d'une manière générale, et on est incapable de faire aussi bien avec des procédés chimiques et physiques. Le nettoyage de l'eau
par les zones humides, c'est une chose qu'on ne peut pas perfectionner. On ne sait pas faire mieux. Voilà. Donc, maintenant, je vais peut-être passer la parole à Lilian Sévelos, parce qu'il n'y a pas seulement que les systèmes naturels, et comme je disais, à mon avis, l'homme fait partie de la nature, il n'y a pas que les systèmes naturels, si tant est qu'ils soient autonomes, qui montrent une certaine perfection, mais aussi les agro-systèmes inventés avec les humains. Et avant de parler des agro-systèmes inventés par les humains, j'aimerais parler un peu, pour faire le lien avec Marie-Paul, en fait, de la mise en place des écosystèmes il y a 400 millions d'années, justement, quand les végétaux ont occupé la Terre. Je veux juste souligner quelques points dont il faut être conscient, parce que ça constitue un véritable trésor qui explique les fonctionnements actuels, ce que Marie-Paul évoquait, l'épuration de l'eau par des zones humides, par exemple, le contrôle et le maintien de la fertilité du sol par toutes les populations microbiologiques qui vivent dans le sol. Tous ces processus-là se sont mis en place il y a, disons, 450 à 400 millions d'années, au moment où les végétaux ont conquis le milieu terrestre. Le sol tel que nous le connaissons, une surface de terre meuble et aérée qui permet la croissance végétale, n'existait pas il y a 500 millions d'années. C'était un substrat rocheux. Et je vous décris ça à très grands traits, mais je pense que ça vous intéressera sûrement, parce que ça fait prendre conscience de la complexité du vivant et à quel point chaque organisme apporte une petite action, change le milieu, et le milieu lui-même évolue vers un sens de complexité. C'est l'histoire de l'écologie, c'est l'histoire de notre Terre, de notre biosphère. Donc, très brièvement, les premiers organismes qui ont quitté l'eau, ce sont des lichens, qui sont des symbioses entre un champignon et une algue. Et on voit des lichens encore aujourd'hui dans des milieux très, très, très rudes, très difficiles, sur les substrats rocheux par exemple. Après ces lichens, on a eu les mousses, les fougères, et puis on a commencé à voir les premiers végétaux au sens classique, gymnospermes, les pins, les conifères, etc. Et puis, il y a 125 millions d'années, les plantes à fleurs, toute la famille, les familles, les rosacées par exemple, qui contiennent les pruniers, tous les arbres à fleurs, tous les fruitiers que nous connaissons bien. Et ces plantes à fleurs avaient été encore plus loin dans l'intrication entre le végétal et l'animal, puisque les plantes à fleurs comptent sur les insectes et les animaux en général pour assurer le transport du pollen, la pollinisation, et donc la fécondation, la reproduction du végétal lui-même. Donc vous voyez, sur ces millions d'années, il y a, que ce soit au niveau du sol ou au milieu de l'air, il y a eu une diversification des êtres vivants. On part au départ, il y a 4 milliards d'années, on part d'une bactérie unique. Et puis plus la vie évolue, plus il y a eu une diversification des formes de vie, avec des végétaux, des animaux, des micro-organismes, etc. Chacun se spécialise sur des niches écologiques, effectue une fonction, une action dans le milieu. Et c'est grâce à cette action combinée de tous les milieux, de tous les organismes, pardon, vivants, que peuvent émerger, et Sylvie tout à l'heure vous parlera sûrement aussi d'émergence en biologie, peuvent émerger des propriétés nouvelles comme la régulation du climat, maintien de la fertilité du sol, contrôle biologique des ravageurs par des prédateurs, etc., etc. Voilà, cette petite introduction pour dire que le fonctionnement de la nature qu'on veut à tout prix perfectionner n'est pas si imparfait que ça. Et la meilleure manière d'ignorer quelque chose et de mépriser la valeur d'une chose, c'est tout simplement de l'ignorer. Donc, il faudrait déjà s'intéresser un peu plus à l'écologie qu'on ne le fait en agronomie pour pouvoir vraiment répondre à la question, est-ce qu'on peut ou pas perfectionner le vivant? Ça, c'était une remarque que je voulais faire en introduction. Alors maintenant, dans le court temps qui nous est imparti, je voudrais vous prendre quelques exemples en agriculture d'écosystèmes, d'agrosystèmes qui sont conçus par l'homme de manière intelligente, je dirais, pour parler simplement. Et vous verrez très bien que l'on peut, en utilisant uniquement les flux et les organismes qui sont présents dans un champ et dans un milieu, on peut avoir un contrôle des ravageurs, par exemple,
ou un maintien de la fertilité, un contrôle et un maintien de la fertilité du sol, etc., sans avoir besoin d'intrants chimiques que l'on apporte de l'extérieur, qui proviennent du pétrole, et qui, c'est assez évident, ne constituent pas une voie durable pour l'agriculture. Donc, je vais prendre quelques exemples maintenant, comme ça, parce qu'on n'a pas trop de temps, et puis en même temps, il y a tellement d'émerveillement à avoir sur ces exemples-là. Je pense que c'est un champ d'espoir aussi de voir qu'avec très peu de moyens, on peut faire des choses qui sont tout à fait viables et tout à fait efficaces. Alors, Eric vous parlera peut-être au niveau des OGM. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler du maïs BT, le maïs qui produit une toxine insecticide qui lui permet de résister à la pyrale. La pyrale, c'est un papillon qui est spécialisé sur le maïs et qui mange le maïs. Alors ça, c'est ce maïs BT, il a été développé dans les années 90 et nous a été présenté comme la seule alternative au traitement chimique. Je t'arrête une seconde parce que je veux dire les choses de manière journalistique extrêmement brutale, mais il s'agit de transformer une plante alimentaire en plante insecticide et alimentaire. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ce qui normalement, jusqu'à présent, était séparé complètement. On ne mangeait pas les plantes insecticides. Ouais, voilà. Tout à fait. Voilà. Bon, j'espère que vous me suivez. N'hésitez pas à m'interrompre si ce n'était pas clair. Bon, en tout cas, on nous a présenté ces OGM-là, ces plantes insecticides, tout à fait, qui sont quelque part des poisons elles-mêmes, puisqu'elles produisent ces toxines. On nous les a présentées comme la seule manière d'éviter des traitements chimiques lourds contre la pyrale, des traitements insecticides. Je vais vous racontez un agrosystème, quelque chose qui a été développé au Kenya, en Afrique, avec très peu de moyens, vous le verrez. Et c'est des méthodes qui rentrent dans ce qu'on appelle globalement l'agroécologie, qui ne sont pas assez développées, mais qui ont des résultats tout à fait prometteurs. Et cette méthode de lutte contre la pyrale s'est généralisée en Afrique, parce que non seulement elle donne d'excellents résultats, mais en plus, vous allez voir que vraiment, c'est un esprit quasiment décroissant. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Donc, cet insecte, ce papillon, mange le maïs. Alors, il s'agit de faire un champ, une conception du champ, de manière organisée, arrangée dans l'espace. Je m'explique. Vous ne voulez pas que la pyrale soit dans le champ de maïs parce qu'elle va y faire des dégâts. Donc, vous plantez entre chaque champ, entre chaque rang de maïs, vous plantez une plante, un rang intermédiaire d'une autre plante qui va être un desmodium, par exemple, une légumineuse africaine. La pyrale n'aime pas l'odeur du desmodium, donc ça a tendance, c'est répulsif, ça a tendance à la faire fuir du champ. Et par ailleurs, le desmodium est très riche en flavonoïdes, en molécules végétales qui sont relativement toxiques pour les insectes. Donc, pour toute cette action combinée, la pyrale a tendance de partir du champ de maïs. Et autour, par contre, vous allez mettre des rangées de cultures pièges, qu'on appelle, leur nom est assez évocateur. Alors là, c'est tout l'inverse, c'est une plante, l'herba molasse, qui produit un mucilage très sucré, que la pyrale adore, et qui, en plus, émet des odeurs qui sont très attractives pour la pyrale. Donc, ces stratégies, en anglais, sont appelées push-pull, c'est-à-dire repousser, attirer. L'idée est très simple, vous repoussez, le but n'est pas d'éradiquer l'insecte. Nous ne sommes pas dans une approche de guerre absolue et totale. L'idée est de repousser les insectes des endroits où vous ne voulez pas les avoir, votre culture, tout en leur permettant, voilà, push exactement, tout en leur permettant de vivre dans des milieux où elles ne sont pas gênantes, l'herbe à molasse autour, dont elles adorent. Comment s'appelle la plante ? L'herbe à molasse. L'herbe à molasse. Oui. Okay. Je ne donne pas les noms latins parce que je pense que c'est pas... À molasse, ça veut dire à sucre. Hein. Oui, à sucre, exactement. C'est ça. C'est des mucilages très sucrés qui attirent beaucoup cette pyrale. Donc, l'efficacité, ça a été développé par un centre de physiologie au Kenya qui s'appelle l'ICIP, qui est un centre international qui dépend de la FAO. Et ça a été développé dans les années 80. Cette méthode s'est généralisée parce que, je vous dis, elle offre vraiment un contrôle de la pyrale à peu près équivalent à ce qu'on peut obtenir avec des insecticides chimiques. Vous voyez bien, sans apporter aucun polluant, sans déstructurer le milieu. Et puis, il faut rajouter un autre avantage, encore une émergence, une propriété émergente de ce genre d'aménagement. Il y a en Afrique une plante parasitique qui s'appelle le striga, qui provoque de graves dégâts en poussant sur les plantes cultivées et en, comme tous les parasites, en retirant évidemment une grosse quantité de ressources dont vos cultures poussent moins bien. Eh bien, le desmodium que vous plantez dans le champ de maïs produit beaucoup de flavonoïdes
qui sont libérés dans le sol, on appelle ça l'exsudation, et ces flavonoïdes empêchent la germination du striga. Donc en plus de contrôler la pyrale, vous réglez en plus un autre problème agronomique que les OGM ou les insecticides chimiques ne règlent pas, on est bien d'accord. Donc vous voyez bien là un exemple simple de méthodes qui sont développables, qui sont totalement basées sur la physiologie des insectes, sur les interactions entre les prédateurs et les ravageurs, et c'est des méthodes qui ne sont pas très coûteuses. Un autre exemple, et d'autres exemples, parce que maintenant c'est assez généralisé, quand un ravageur consomme une plante, vous avez probablement vu, il y a eu des émissions sur Arte qui étaient assez remarquables à ce sujet, quand un prédateur consomme une plante, très souvent, il provoque l'émission de molécules volatiles qui vont attirer soit un prédateur, soit un parasitoïde, c'est-à-dire des ennemis naturels du ravageur. C'est par exemple le cas quand des mites, des papillons herbivores consomment du maïs. Certaines variétés de maïs, en tout cas, émettent un signal qui va attirer des mites prédatrices qui vont venir pour consommer le ravageur. De la même manière, la chrysomèle des racines du maïs, qui est un insecte qui attaque les racines du maïs, qui était absent en Europe jusqu'en 1992 et qui est arrivé par les avions de l'OTAN. C'est la raison maintenant pour laquelle développer le maïs Monsanto 863, qui a posé beaucoup de problèmes et sur lequel le professeur Serralini a beaucoup débattu de la toxicité de ce maïs pour les rats, en essai. Il y a des atteintes rénales, etc. Bon, eh bien, cette chrysomèle des racines du maïs, quand elle mange les racines du maïs, le maïs émet une molécule volatile, le bêta-caryophyllène, qui attire des nématodes, des vers qui vivent dans la terre et qui sont prédateurs et qui viennent manger la chrysomèle. Je tiens à préciser que sur ce genre d'interaction, le ravageur a très peu de chances de s'en sortir. Il n'y a pas de possibilité pour qu'il évolue une contre-adaptation, une résistance ou une tolérance au mécanisme, tout simplement parce que sa seule alternative, c'est ne pas consommer la plante. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'émission de signal et il n'est pas traqué. Mais à ce moment-là, il crève de faim. Et s'il consomme la plante d'une manière ou d'une autre, de toute façon, c'est dans l'économie même, dans ce qu'on appelle l'allocation de ressources de la plante, elle va provoquer cette molécule signal, SOS signal, souvent on dit signal SOS, qui va attirer les prédateurs. Et les prédateurs, évidemment, sont eux-mêmes sélectionnés pour venir, parce qu'évidemment, c'est un signal qui leur facilite le travail. Vous comprenez, le prédateur va trouver beaucoup plus facilement le ravageur sur la plante. C'est un signal chimique ? Oui, ce sont des molécules très banales. Le bêta-caryophyllène, par exemple, c'est l'odeur. C'est une des molécules qui a dans l'odeur de l'œillet. Voilà. Donc, en fait, les plantes font toute une énorme quantité de molécules. Et ces molécules, elles leur donnent des fonctions très particulières. Dont là, par exemple, cette odeur d'œillet, cette molécule qui participe à l'odeur de l'œillet, dans le cas de la défense du contrôle biologique, elle va être réutilisée pour attirer le prédateur ou le parasitoïde. Et puis, un dernier exemple, si vous permettez, parce que je veux laisser la parole au... Bon. Un autre exemple, si vous permettez, on va parler du café, un peu d'agroforesterie. Vous savez que c'est une approche qui est tout à fait intéressante. Il y a évidemment un problème d'accroissement de la population mondiale sur des terrains arables qui diminuent parce que les sols, à cause des pratiques agro-industrielles, sont dégradés, alors que la population augmente. Donc bien entendu, tout le monde est d'accord sur ça, il faut garantir une production alimentaire. Et il faut augmenter cette production alimentaire si on doit nourrir tout le monde. La question est comment y arriver. Alors peut-être que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle l'agriculture écologiquement intensive. L'idée de l'agriculture écologiquement intensive, c'est pas du tout d'être intensif au sens mettre des engrais, des pesticides, faire rentrer tout plein de choses dans le champ. Mais c'est l'idée d'optimiser au mètre carré la production végétale. Le professeur Dufumier dit quelque chose qui est très juste. Le facteur limitant essentiel, c'est la photosynthèse. C'est-à-dire que là où on a le plus de marge d'action, il faudrait que tous les centimètres carrés de sol soient couverts de feuilles végétales. Les végétaux sont des capteurs d'une efficacité colossale qui transforment une énergie lumineuse, l'énergie solaire,
un sucre qu'on peut fermenter et qui produise de l'énergie biologique, je veux dire, la meilleure manière, quand je me balade, je suis venu en train ce matin de mon sud, vous devez l'entendre à mon accent, on voit des terrains partout, en fait, qui sont nus, ce qui est une stricte aberration. Eh bien, en... juste un instant, si vous permettez. En Amérique latine, ils ont intégré tout à fait cette démarche. Les cultures de café, classiquement, étaient faites, et il y avait une déforestation totale, une coupe à blanc des forêts tropicales, et on cultivait dessus, ce milieu nu, on cultivait des caféiers. Alors ça, c'est écologiquement tout à fait catastrophique, parce qu'évidemment, quand on abat une forêt, on fragilise le sol, on l'expose à l'action desséchante du soleil et à l'érosion éolienne, au vent. Les pluies elles-mêmes vont faire des ravinements, etc., ce qui détruit et déstructure le sol. Et puis, par ailleurs, le café, originellement, est un arbuste de sous-bois, et le café en plein soleil avait tendance à développer plus de maladies. Là, je parle de maladies pour le caféier, pour l'arbuste. Je t'arrête un instant parce que je voudrais souligner que ça, c'est une évolution récente, parce que dans les systèmes agricoles mayas, il y a des systèmes à plusieurs étages. Dans les systèmes indonésiens aussi, il y a des systèmes à plusieurs étages. C'est comme une forêt avec des végétations de différents niveaux. Donc, c'est une évolution récente, on est d'accord. C'est la monoculture industrielle. Oui. Voilà. Et c'est vrai que tu as raison de noter. Je pense qu'il y a, par exemple, l'Amérique latine, il y a eu, même dans des civilisations plus anciennes, tu as raison de citer les Mayas, il y a eu des méthodes agronomiques bien plus sensées et bien plus écologiquement durables que les nôtres. C'est juste de le dire. C'est juste de dire. Mais je voudrais revenir actuellement à ce qui se fait donc avec le café. Au lieu de raser complètement la forêt, on fait quelques trouées. On aménage des clairières dans lesquelles on va cultiver un arbuste de sous-bois. Dessous, on va cultiver un deuxième étage de caféier ou de cacaoyer, d'arbuste. Sous cet étage-là, vous pouvez mettre soit certaines céréales, soit des plantes à tubercules, igname, etc. Donc vous avez multiplié comme ça les étages de végétation. Chaque étage de végétation a des conditions écologiques qui correspondent précisément à sa niche écologique. Le café, c'est un arbre de sous-bois, il ne faut pas qu'il soit en plein soleil, etc. Et vous êtes arrivé à ce que je vous disais, à une intensification écologique, puisque sur chaque mètre carré, vous avez 3 productions alimentaires. Et alors, au niveau économique, inutile de vous dire, beaucoup de cafés en commerce équitable, tout ça, sont exploités comme ça maintenant, parce qu'évidemment, ça augmente énormément la stabilité du revenu pour le paysan, puisque c'est toujours pareil. Hein, si vous avez 3 cultures, vous avez moins de chances d'une année défavorable pour une culture où vous perdez tout. Là, si vous avez 3 cultures, ils arriveront toujours à récupérer quelque chose. Et en plus, il y a l'aspect autonomie, puisque les cultures vivrières, souvent qui sont le dernier étage au niveau du sol, leur permettent tout simplement de se nourrir sans avoir besoin d'importer des riz ou des céréales des pays producteurs, grands producteurs. Donc, ce café qui est cultivé maintenant comme ça, il y a évidemment une bien meilleure conservation des éléments minéraux et de l'eau en gardant quelques arbres, en maintenant un étage forestier. Il n'y a pas de dessiccation du sol et de déstructuration du sol. La matière organique tombe au sol et recyclée, décomposée et recyclée, ce qui accroît le taux de matière organique et la fertilité du sol. Donc un cercle tout à fait vertueux. Et puis, cerise sur le gâteau, je dirais, le café qui retrouve ses conditions écologiques originelles de plantes de sous-bois est beaucoup moins malade et beaucoup moins attaqué par des maladies fongiques en particulier que quand il était en plein soleil, ce qui produit des graines, des baies de café de bien meilleure qualité que les paysans peuvent mieux exporter, mieux valoriser, puisque c'est quand même la règle du marché économique, un produit de meilleure qualité se vend mieux. Alors voilà, pour une brève conclusion de ce que je vous ai dit, on pourrait multiplier les exemples, mais c'est très important parce que c'est ça l'écologie. L'écologie est la science de l'interaction, du fait que dès qu'il y a un élément nouveau, oui, le tout n'est pas que la somme des éléments, au contraire, on crée un nouveau système parce qu'il y a tout un tas d'interactions qui vont se mettre en place. Et ce que je voudrais souligner, et c'est un cas
qu'on pourrait généraliser à l'infini. L'agriculture industrielle est dans un cercle vicieux où les terrains sont dénudés, la fertilité du sol est perdue, les éléments minéraux ne sont pas conservés dans le sol, ils sont lessivés, ça pollue les nappes phréatiques, les sources d'eau. Secondairement, pour l'homme, ça provoque plus de frais de retraitement de l'eau, etc., etc. Donc on est dans un cercle vicieux et chaque action de l'homme dans ce contexte-là aggrave, autant pour l'agriculture que pour les ressources comme l'eau qui sont indispensables à toute activité humaine, aggrave la pollution et les problèmes de retraitement, etc. Ce que je veux souligner, c'est que, et c'est une note d'espoir, avec la complexité de la nature et de la biologie, on peut très facilement, en interrompant un cercle vicieux, passer dans un cercle vertueux, tout simplement commencer à remettre des couverts végétaux. Vous allez accumuler de la matière organique dans le sol, qui va augmenter la fertilité du sol, qui va vous permettre d'avoir de meilleures cultures, etc., etc. Et je pense que vous m'avez compris. La biodiversité va vous protéger, puisque il a le principal... excuse-moi de t'interrompre. Le principe, l'histoire classique, c'est la monoculture industrielle avec le parasite spécialisé. Voilà, bon. Et tu as dit tout à l'heure, tu as parlé tout à l'heure de la photosynthèse, disant que c'était un facteur limitant. Je voudrais dire qu'on a entendu dire que c'était vraiment scandaleux, que les plantes ne transforment pas assez d'énergie solaire. Ça, c'est un discours un peu spécieux qui a été souvent tenu. Pardon, Marie-Paul, mais pour être clair, je ne disais pas que la photosynthèse était limitante en tant qu'efficacité biochimique. Je disais que tant que l'homme est stupide pour laisser des sols nus, oui, il n'y a pas les capteurs végétaux. Je suis d'accord. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais faire un lien à ce... Encore faut-il mettre des... Je voulais revenir à la question du perfectionnement de la nature. Donc, on a entendu dire dès les années 80 que c'était un scandale que les plantes ne transforment pas plus d'énergie solaire et qu'elles devraient faire un petit peu plus. Mais en réalité, tous les gens qui ont étudié la photosynthèse se sont rendus compte qu'il y avait une efficacité incroyable, puisque dans la photosynthèse, un photon déplace un électron. Ce qui est une chose qu'on est absolument incapable d'imiter. Un tel rendement énergétique, c'est même pas pensable pour les êtres humains. Et donc, pour revenir à cette histoire de perfectionnement, je vais passer la parole à Éric Meunier, qui va nous parler des grandes entreprises de perfectionnement de la nature aujourd'hui. Donc voilà, comme Marie-Paul vient de dire, moi je vais vous parler d'une catégorie particulière d'acteurs qui ambitionnent de perfectionner la nature, qui sont les entreprises. Alors les entreprises semencières ou entreprises de biotechnologie. Et au travers du dossier des OGM, alors je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans les explications qu'est-ce que techniquement un OGM ou qu'est-ce que c'est pas, comment ça fonctionne et tout, mais là on va s'intéresser à l'histoire générale du développement des OGM qui va recouper, parce que c'est une des composantes, l'histoire de l'agriculture, du moins l'histoire de l'agriculture industrielle. Parce que, alors je dis ça sous forme de boutade, mais c'est pas tant une boutade que ça pour les entreprises. Dans tout ce que Marie-Paul et Lilian viennent de vous présenter, le système qui vous a été présenté a quand même un gros défaut, c'est que c'est des choses qui fonctionnent gratuitement. C'est-à-dire que, effectivement, les plantes sont très efficaces dans la photosynthèse, mais elles produisent de l'énergie gratuitement. Ça peut être de la production alimentaire ou autre gratuite, et toutes les ressources, tous les trésors qui sont à la disposition de l'homme, et avec lequel l'homme a évolué conjointement depuis 10 000, 100 000, enfin, depuis que l'homme est sur Terre, c'est des ressources gratuites. Or, dans le monde dans lequel on vit, et ce n'est pas un parti pris ou un militantisme de ma part, ce qui est gratuit a rarement une place, malheureusement, qui est favorisée. Donc il a fallu développer l'agriculture de manière à ce que tout ce qui pouvait être rendu payant soit rendu payant. Et pour expliquer ça, vous savez bien que les entreprises semencières et les entreprises de biotechnologie, j'y arrive pas avec ce micro en fait, voilà. Avec les entreprises semencières et les entreprises de biotechnologie, dans les produits qu'elles ont développés, évidemment, tout l'objectif a été de rendre les choses payantes. Et le modèle agricole aujourd'hui, en Europe du Nord, on est bien placé pour le savoir, comme en Amérique du Nord, avec toutes les subventions qui sont discutées à l'heure actuelle, par exemple, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, les subventions ont une place très très importante, parce que c'est grâce aux subventions que le modèle d'agriculture intensive subsiste et continue d'avoir lieu aujourd'hui. Donc pour comprendre ça, il faut comprendre que il y a une cinquantaine, soixantaine d'années, un nouveau type d'acteurs investit le champ agricole, c'est les entreprises chimiques.
les entreprises chimiques telles qu'on peut les connaître aujourd'hui, alors Monsanto en est un exemple, apportent à l'agriculture, ce qu'elles savent faire, c'est la notion, enfin toutes les molécules chimiques. Des molécules chimiques qui ne sont pas gratuites, mais qui sont faites dans les laboratoires. L'apparition de ces produits chimiques, je vais essayer d'être rapide pour que vous compreniez bien, a conditionné le développement de l'agriculture. Alors quand on parle de molécules chimiques, on parle de herbicides, on parle d'insecticides, on parle de fongicides, on parle aussi d'engrais, autant de produits chimiques qui ont été développés pour répondre à des problèmes que l'agriculture industrielle elle-même avait fait émerger. Alors par exemple, pour reprendre l'exemple que Lilian disait, le modèle agricole avait ce côté un peu aberrant de laisser des sols nus. L'appauvrissement des sols hein, par rapport aux cultures, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps avec l'agriculture intensive. Donc pour pallier l'appauvrissement des sols, les engrais sont arrivés. C'était juste pour que vous compreniez un peu l'approche qui était adoptée. Ces entreprises-là, qui sont aujourd'hui celles qui investissent dans les biotechnologies, en partie, qui développent l'agriculture de demain, entre guillemets, sont des entreprises qui ont une approche du vivant que moi je trouve assez paradoxale. Parce que ces entreprises-là, d'une part, sont très conscientes justement de tous les trésors qui sont contenus dans la nature. Pour prendre un autre exemple, par exemple, les entreprises de pharmacie, vous ne pouvez pas trouver plus conscient comme acteur sur Terre des trésors qui existent dans la nature, puisque c'est ces entreprises-là qui ont envoyé des salariés de partout dans le monde pour aller récupérer telle plante qui sert à telle chose, pour soigner telle maladie, pour aller récupérer les savoirs traditionnels, qui les ont intégrés et qui les revendent sous forme de médicaments aujourd'hui. Encore une fois, je ne discute pas du bien fondé ou pas, c'est pour que vous compreniez que ces entreprises-là, pour les entreprises semencières, c'est la même chose. C'est des entreprises qui se servent du patrimoine existant, du patrimoine gratuit que la nature fournit quotidiennement. Au niveau des entreprises semencières, il s'agissait de se servir dans toutes les variétés, dans toutes les plantes et toutes les variétés de plantes qui existaient pour pouvoir développer des variétés commerciales. Pour les entreprises de biotechnologie, on va le voir assez rapidement, il s'agit de se servir du génome, donc du pool de gènes, qui est à disposition, encore une fois, gratuitement, de se servir de ce pool de gènes pour aller chercher des trésors qu'elles-mêmes vont commercialiser ensuite. Ce qui fait que vous avez une agriculture qui a été développée, c'est pas la seule, heureusement, la présentation de Lilian vous montre que différents modèles d'agriculture existent. On a en tout cas une agriculture majoritaire qu'on appelle l'agriculture industrielle ou l'agriculture intensive, qui a été développée par des entreprises qui se sont servies de tous les trésors qui existent dans la nature pour sélectionner ceux qui allaient les intéresser à commercialiser pour pouvoir les remettre dans le circuit. Malheureusement, l'agriculture industrielle telle qu'elle existe aujourd'hui, enfin malheureusement c'était pas le terme, il se trouve que l'agriculture industrielle telle qu'elle est développée va un peu à l'encontre de ce que la nature fait. Alors pour prendre un exemple, tout le monde a pris le train ou s'est baladé dans la campagne, tout le monde sait à quoi ressemble un champ de blé, un champ de maïs. On a tous l'habitude, alors moi par exemple, ma génération, pour moi les champs de blé jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était une seule plante qui était identique. C'est-à-dire quand je me baladais dans les champs, ou que je regarde dans le champ, il n'y avait pas un épi qui dépassait de ses camarades. Pour les champs de maïs, c'est pareil. C'est-à-dire que ces champs, en termes d'agriculture industrielle, sont vraiment uniformes, homogènes. Et pourquoi j'utilise ces termes? C'est parce que c'est des termes qui sont très très importants dans l'agriculture industrielle aujourd'hui. Les variétés qui sont commercialisées, elles doivent être homogènes, c'est-à-dire toutes pareilles, elles doivent être stables. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas que les variétés varient, justement. C'est pour ça qu'on considère que le terme de variété n'est plus très bien approprié à ce que les entreprises semencières font. Bref, une sorte de normalisation des produits qui sont utilisés en agriculture, que ce soit les plantes, que ce soit les herbicides, les insecticides ou les fongicides. Vous avez donc des entreprises dont la démarche intellectuelle même a été de, on va dire, par exemple, restreindre à quelques individus ou à quelques molécules chimiques ce qui pouvait être utilisé en agriculture. Et donc vous avez une agriculture qui s'est vraiment focalisée sur un pan seulement de ce que la nature pouvait faire. De là sont donc apparus des problèmes, parce que la nature, non seulement elle fait des choses gratuitement, ce qui est déjà assez embêtant comme ça,
Mais en plus, elle fait des choses variées et elle fait des choses qui évoluent. Alors ça, on le sait tous très très bien, on en est nous-mêmes des exemples. La nature évolue, ce qui fait que l'agriculture industrielle, l'agriculture intensive, doit également évoluer, c'est-à-dire à s'adapter alors à ce qu'on appelle des nouveaux parasites. Ce que Lilian, par exemple, a illustré, ce qui peut être considéré comme des parasites en agriculture industrielle, par le fait de la symbiose ou de savoir comment les utiliser, ça peut être aussi des partenaires pour les agriculteurs. Ce qui fait que dans l'agriculture paysanne ou l'agriculture biologique, vous avez beaucoup de personnes qui, justement, par exemple, plutôt que de se débarrasser et d'éradiquer tous les insectes qu'ils ont dans leur champ, ils ont leur champ de culture et puis à côté, ils laissent des jachères, c'est-à-dire des champs qu'ils laissent, où ils laissent pousser tout et n'importe quoi, parce que finalement, ces plantes vont attirer des insectes qui vont servir à la culture, soit pour la pollinisation, soit pour justement rentrer en compétition avec des vrais parasites qui, là, vont manger la plante. Bref, une sorte de système où la multiplicité et la richesse et les trésors que la nature fournit font partie du système. Mais pour les entreprises sémencières ou les entreprises de biotechnologie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tout soit propre. Donc je vous redis, il faut que tous les blés fassent la même hauteur. Il faut qu'il n'y ait plus de mauvaises herbes. Alors rien que le terme mauvaise herbe est assez parlant, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas blé dans un champ de blé est une mauvaise herbe dont il faut se débarrasser. Les insectes qui ne sont pas prévus dans le champ, ils n'ont pas le droit de citer, donc il faut s'en débarrasser. Donc les entreprises ont une approche de l'agriculture qui est restreinte. Et cette approche restreinte, on la retrouve typiquement dans le développement des OGM. Parce que les entreprises qui se sont mises à développer les biotechnologies ont mis, pour dire les choses de manière caricaturale, ont mis une vision restreinte de la génétique et du fonctionnement du vivant au service d'une vision restreinte de ce que est la nature et de son fonctionnement. Ce qui fait que vous avez un dogme qui est apparu, et pourtant très tôt, hein, beaucoup de scientifiques ont dit que c'était un dogme qui tenait pas la route, qui n'était pas vrai, mais dont l'objectif était un peu de simplifier les choses, comment le vivant fonctionne. Si vous avez jamais entendu parler de ça, le dogme dit à un gène correspond une protéine, correspond une fonction. Si vous avez compris ça, je ne rentre pas dans les explications gènes, génome, hein, je vous épargne, mais j'imagine que tout le monde a déjà entendu parler de ce qu'est un gène. Partant de là, le développement des OGM est devenu quasiment naturel pour les entreprises, elles peuvent utiliser ce terme. L'objectif des OGM est de faire exprimer par des plantes des gènes qu'elles ne contiennent pas naturellement. Et ces gènes, c'est là où on retrouve la notion de plante insecticide, par exemple sauce biotechnologie. L'idée, c'est d'avoir des maïs qui vont exprimer une protéine insecticide, parce que le gène qui code pour cette protéine a été mis dans son génome. Donc le maïs est capable de tuer des insectes qui viendraient l'embêter. Vous avez des plantes transgéniques qui sont élaborées pour résister à des herbicides. C'est-à-dire que l'agriculteur, quand il veut nettoyer son champ, il asperge d'herbicide total qui ne fait aucune différence dans les plantes qui sont dans le champ. Et quand l'agriculteur arrive avec ses semences de maïs ou quoi, même s'il reste de l'herbicide dans le sol, le maïs n'est pas gêné parce qu'il peut pousser puisqu'il résiste à l'herbicide. Et puis bon, parce qu'il ne faut quand même pas s'arrêter là, les entreprises font des plantes qui résistent aux herbicides et qui résistent aux insectes. Donc cette vision un peu... là, je pense que vous avez compris que finalement, ce qui prédomine dans les biotechnologies et dans le développement de l'agriculture industrielle, et les OGM l'illustrent, c'est un peu une vision restreinte de comment le vivant fonctionne, associée à une vision restreinte des trésors de la nature. Là-dessus, vous êtes tous au courant donc, du débat sur les OGM qui existe depuis une quinzaine d'années. Enfin, les premiers qui s'y sont intéressés il y a 30, 40 ans, parce que des scientifiques tiraient la sonnette d'alarme, et puis il y a une vingtaine d'années, quelques acteurs ont fait émerger le débat, mais on va dire que le débat sur les OGM est venu dans la sphère de la société civile, et elle s'est mise à toucher les citoyens comme vous et moi il y a une quinzaine d'années, à l'époque où les premiers OGM arrivaient en Europe en provenance des États-Unis. Depuis 15 ans, avec les débats publics ou les semblants de débats publics, avec les relais dans les médias des questionnements qui étaient posés par la société civile, avec les associations de consommateurs, les associations de protection de l'environnement, des syndicats agricoles, bref, tout un type d'acteurs qui se sont mobilisés sur ce sujet et qui, en se servant des expériences, des débats de l'amiante, du bœuf aux hormones ou quoi, ont réussi à prendre le débat avant que le développement commercial soit trop important. Ce qui fait que 15 années plus tard,
Vous avez, moi, ce que je peux considérer comme une victoire, entre guillemets, parce que les victoires sont jamais acquises, mais en tout cas, pour les anti-OGM, 15 années après, vous n'avez aucune commercialisation, je suis caricatural, hein, encore une fois, d'OGM en Europe. La seule commercialisation d'OGM qui existe, c'est toutes les plantes transgéniques qui arrivent dans l'alimentation animale. Et pourquoi celle-là a réussi, on va dire? C'est parce que ce sont les seules plantes transgéniques, quand elles sont vendues, il n'y a aucun étiquetage imposé par la loi. C'est une des raisons, évidemment, mais elle est quand même importante. Il n'y a pas d'étiquetage. Donc finalement, les seules plantes transgéniques qui ne sont pas étiquetées en tant que plantes transgéniques quand elles sont vendues sont celles qui se sont le plus commercialisées. Mais donc 15 années plus tard, 2011, quasiment pas de plantes transgéniques dans les champs en Europe. Excuse-moi, je voudrais une précision pour me tenir au courant, parce qu'à InfoGM, vous êtes au courant de tout. Donc, d'accord, les plantes destinées à l'alimentation animale ne sont pas étiquetées, mais si elles sont sans OGM, là, il y a une étiquette quand même, non? Non. Non, donc quand les gens se fournissent en maïs, ils ne peuvent pas trouver du maïs garanti sans OGM. Alors, il y a une marque qui commercialise en étiquetant sans OGM, c'est... je ne sais pas si on a le droit de citer les marques. Oui. C'est pas pour leur faire de la pub. Hein. C'est Géant Vert. Vous avez peut-être vu dans les supermarchés les boîtes oui. Maïs sans OGM. Ah, mais je ne te parle pas de maïs consommation humaine, je parle de maïs consommation animale. Alors, consommation animale, en fait, sauf à produire soi-même. Alors, il y a deux manières. Sauf à produire soi-même le maïs ou les plantes fourrage qui vont être données aux animaux. Sinon, il y a quand même, par exemple, dans le bio, on est au courant, tout ce qui peut être labellisé bio. Du fait du cahier des charges, il n'y aura pas d'OGM dedans. Donc il faut trouver une source de maïs, même venu de l'extérieur, garantie sans OGM. Voilà. Ouais. Et alors ce qu'on appelle garantie à quelques pourcentages près. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que vous le garantissez à 0 ou à 1% Non, je pinaillais juste, mais je voulais juste être sûr qu'il y avait moyen d'en trouver sans OGM. Quoi. Ah oui, il y a moyen. Okay. Oui, gardez-le en tête. Mais un peu la raison, tout n'est pas noir, heureusement. Y a moyen de trouver du maïs sans OGM. Toujours est-il qu'en 2011, on va dire que la commercialisation des plantes transgéniques pour les entreprises de biotechnologie ou entreprises semencières qui l'ont voulu est un échec commercial, parce qu'elles n'y arrivent pas, du fait de la pression de la société civile, du fait des questions aussi qui ont été posées et du fait de gouvernements qui n'ont pas poussé et appuyé à la commercialisation, et aussi du fait d'un monde agricole qui n'est pas non plus si demandeur que ça des plantes transgéniques. Oui, c'est important. Donc vous avez peu de commercialisation. Alors là, vous imaginez bien que les entreprises de biotechnologie et semencières sont embêtées. Elles sont embêtées, mais elles ont des ressources. Les ressources viennent des recherches en laboratoire et elles viennent de certains travaux ou tous les travaux du monde scientifique qui visent à comprendre comment le vivant fonctionne, comment les cellules, comment notre ADN fonctionne. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous les expliquer non plus, mais vous avez des entreprises qui ont demandé à la Commission européenne pour 7 nouvelles techniques de biotechnologie, c'est-à-dire les OGM tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est la transgénèse, les plantes transgéniques, mais vous avez 7 nouvelles techniques qui sont à la disposition, 7, qui sont à la disposition des entreprises et pour lesquelles les entreprises commencent à annoncer des commercialisations possibles. C'est des techniques qui servent à modifier le génome des plantes, de la même manière que la transgénèse le fait, pour faire acquérir aux plantes une caractéristique qu'elles n'ont pas. Dans les caractéristiques, encore une fois, on va retrouver la résistance aux insectes, la résistance aux herbicides, et dans les promesses qui sont faites, on va aussi évidemment trouver des plantes qui poussent beaucoup plus, beaucoup mieux, qui nous nourrissent plus, bref, beaucoup de promesses. Mais ça va surtout être concerné les herbicides et les insectes. C'est cette nouvelle technique, la question qui est posée à la Commission européenne, c'est de savoir est-ce qu'elle donne des OGM ou pas. La question est très importante. Les entreprises, vous vous en doutez, commencent à faire pression. Moi, quand je vais à des conférences, je vois les choses venir. La conclusion, pour beaucoup d'entre elles, c'est qu'elles ne donnent pas des OGM. C'est-à-dire que même si elles modifient le patrimoine génétique des plantes de manière non naturelle, ce ne seront pas des OGM. Conséquence directe, et pour ceux qui connaissent le dossier OGM, vous vous en doutez, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'étiquetage. Et surtout, avant qu'il n'y ait pas d'étiquetage, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'évaluation. Les risques liés à l'utilisation de ces plantes. Y compris pour des plantes devenues insecticides, bien qu'elles soient alimentaires.
Alors ça, c'est encore autre chose. Mais pour être caricatural, oui, il n'y aura pas d'évaluation de ces plantes par rapport à la technique. Après, les plantes, à partir du moment où il y a des insecticides ou des herbicides qui peuvent être utilisés, elles sont quand même évaluées, mais ça, qu'elles soient OGM ou pas OGM. Cette actualité-là est l'occasion, en fait, de questionner ce qu'on appelle le perfectionnement du vivant. Parce que si autant on est clair sur les trésors de la nature, ce qui existe dans la nature, ce qu'on en connaît, ce qu'on n'en connaît pas, tout ce qui nous reste à découvrir, une chose sur laquelle dans notre société actuelle on est un peu, on le remet rarement en question, c'est la notion de justement de perfectionnement du vivant conduit par les entreprises, qu'on soit clair, hein, et la question du progrès en général, c'est-à-dire quel progrès, pour qui, comment, dans quelles conditions, qui le choisit pas. Et là, pour nous, pour InfoGM, en fait, il y a une notion qui est importante, justement, dans ce qu'on appelle le perfectionnement du vivant, c'est qui choisit ce perfectionnement du vivant. Avec le sujet sur les OGM, on a vu que la société civile, quand elle voulait avoir une voix au chapitre, ça pouvait être assez compliqué. Même si elle y arrivait, il a quand même fallu beaucoup, beaucoup d'actions. Une des actions les plus marquantes, c'est quand même celle des faucheurs volontaires, ça reste des personnes qui prennent le risque d'amende, qui prennent le risque d'aller en prison pour leurs convictions, mais finalement tout ce qu'ils demandaient c'était un débat, et comme le débat n'avait pas lieu dans la sphère publique, ces gens-là ont dit, eh ben, il y a une sphère qu'on peut investir si on est accusé de quelque chose, c'est la sphère du juridique. Donc l'objectif était d'avoir toujours ce débat. Avec les nouvelles techniques, je vais faire vite parce que je crois que... c'est donc nous, là, InfoGM, la question qu'on pose, c'est de savoir qui choisit. Parce que finalement, on est dans une société où le perfectionnement du vivant par les entreprises, ce que je vous ai expliqué avec l'agriculture, le développement de l'agriculture, c'est un perfectionnement technique qui est le fruit d'une vision restreinte du vivant. C'est-à-dire la vision que génétique pour les OGM est quand même une vision très restreinte. C'est-à-dire les entreprises s'intéressent aux gènes dans la cellule, comment ils s'expriment, mais ne s'intéressent plus quel est l'organisme qui héberge ce gène, cette cellule, et comment cet organisme interagit avec son environnement. C'est le diamétralement opposé aux exemples que Lilian vous a donnés, avec des gens qui réfléchissent avant tout les organismes dans leur environnement. Donc cette vision restreinte du vivant nous amène quand même à avoir des choix de technologies qui ont été faits sur la base d'opinions d'experts, des discours d'experts. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà eu ce sentiment, je pense que vous pourriez tous lever la main, quel que soit le sujet. C'est-à-dire le sentiment, quand vous parlez d'une nouvelle technique, une nouvelle technologie, que ce soit les OGM, le bœuf aux hormones ou quoi, les nanotechnologies, très très bon exemple, le premier réflexe de se dire « je comprends rien, je comprends pas de quoi on parle ». Tout le monde a eu ça comme sentiment. Ce sentiment de « je comprends rien », quand vous vous renseignez, quand vous lisiez les débats, vous voyez qu'il y avait des experts, par contre, qui, eux, comprennent de quoi ils parlent. En tout cas, ils le croient. Hein. En tout cas, ils le croient. Parce que si vous vous mettez à leur poser des questions, et c'est là le point fondamental pour InfoGM, mais je finis sur la parole des experts qui sert aux politiques pour prendre des décisions, c'est que nous, on considère que cette expertisation de la parole, des sujets, au final, ça a résulté en une confiscation de la parole du citoyen. C'est-à-dire, et vous, et moi, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà regardé des consultations publiques sur les OGM. Est-ce que oui ou non, je suis pour ou pas pour un essai en champ d'une plante transgénique? Nous, évidemment, InfoGM, on avait suivi ça. La réponse du gouvernement, à l'époque, et qui est aussi celle des experts européens aujourd'hui, si vous répondiez à leurs consultations, c'est de dire, par exemple, monsieur, madame, tout le monde, moi, pourrais dire, bah, moi, les OGM, j'en veux pas. Point. Les gens ont le droit de ne pas en vouloir sans raison. Si vous envoyez ça comme réponse, est-ce que je suis pour ou contre un essai en champ, ou pour ou contre une commercialisation, votre voix ne sera pas prise en compte. Pourquoi elle ne sera pas prise en compte? Parce que vous ne fournissez pas les éléments scientifiques qui sont à l'appui de votre opinion. Donc nous, on considère qu'il y a une vraie confiscation de la parole du citoyen. Et que ça, dans un monde, et je vais finir là-dessus pour passer la parole à Sylvie, dans un monde où l'évolution des technologies est très rapide. C'est-à-dire, à l'heure où je vous parle, les plantes transgéniques, les OGM, c'est de la transgénèse.
Cette technique, il faut savoir que c'est une technique qui est déjà obsolète pour les entreprises. Les entreprises, elles sont déjà, je vous l'ai dit, il y a 7 autres techniques. Vous avez des laboratoires, on parlait des nanotechnologies, et le perfectionnement du vivant, vous avez dans le monde des laboratoires qui travaillent à non plus perfectionner les plantes, mais perfectionner l'homme. C'est-à-dire faire le lien entre les biotechnologies, les sciences cognitives, tout le travail informatique, tout ce qu'on retrouve dans les ordinateurs, ces choses-là, de les faire se converger, et donc les nanotechnologies, de les faire converger pour ambitionner une amélioration de l'homme. Parce que le trait, et c'est là-dessus que je vais finir, le trait transversal derrière tout ça, c'est qu'il y a une ambition de faire mieux que ce que la nature fait. C'est-à-dire que l'homme, le cerveau de l'homme, lui permet d'ambitionner une place qui va être de faire mieux que ce que la nature fait. Or, c'est pour ça que la question de la conférence était bien posée. Finalement, quand on parle de perfectionnement, il y a deux éléments. C'est quel perfectionnement, c'est-à-dire quel cadre philosophique vous lui donnez. Est-ce qu'on veut perfectionner pour faire mieux? On veut toujours faire mieux, mais surtout à quel prix on veut le faire? Et puis surtout, qui le choisit? Alors là-dessus, j'embraye immédiatement pour souligner que à l'heure où la parole, comme tu dis, est confisquée par des experts extrêmement spécialisés, c'est aussi l'heure où, dans les politiques de recherche en France en tout cas, aucun laboratoire ne peut travailler sans un industriel derrière pour le financer. Donc c'est aussi l'heure où, par exemple, sur les nanotechnologies, il n'y a aucun laboratoire en France qui ait étudié l'effet de l'ingestion des nanoparticules. Il y a seulement une étude qui a été faite sur des cultures de cellules de méninges qui montre que ça peut passer la barrière méningée dans le sang et rentrer dans le cerveau. Il n'y a aucun laboratoire qui ait des fonds pour faire avaler des nanoparticules à des rats et voir ce qui se passe. Parce que toute la recherche française doit être financée toujours par un industriel. Donc on arrive à un système qui tourne en rond, c'est-à-dire qu'on vous dit vous n'avez pas droit au ressenti, vous n'avez droit qu'à une opinion technique et scientifique, et cette opinion, seule l'industrie peut la financer. Et l'obtenir. Donc voilà, Sylvie, merci de prendre la parole. Oui, donc je vais enchaîner sur la conclusion d'Éric sur cette réflexion par rapport à la place des experts et aussi le questionnement que le profane peut avoir aujourd'hui, puisque c'est vraiment une question qui est vraiment centrale dans le projet d'université du vivant dont je vais parler, qui se donne comme projet de renouveler une approche du vivant. Alors je voudrais quand même spécifier que je ne suis pas à l'initiative à moi seule de ce projet. Je suis une partenaire. Et ce qui est important, ce que je voudrais exposer par la suite, c'est que justement, c'est un projet dont l'initiative part de la société civile et des acteurs de la société. Donc, ce n'est plus un projet d'en haut qui serait mené par les acteurs traditionnels que sont les chercheurs, comme moi. Mais vraiment, ce sont des membres de la société, des organisations qui veulent se poser ces questions. Donc pour moi, en tant que chercheuse, c'est vraiment quelque chose une innovation qui est encore très modeste, mais qui est une innovation, je pense, assez radicale et tout à fait passionnante. Donc moi, je suis chercheuse dans le domaine de la biologie végétale depuis un peu plus de 20 ans et en parallèle, je me suis beaucoup intéressée justement aux questions qui surgissaient entre la science et la société, et avec toutes les questions éthiques que cela posait, et je m'intéresse plus particulièrement à la question de la considération morale des plantes. Et ce qui m'intéresse par rapport à tout ce questionnement, celui dont je vais parler pour le projet d'université du vivant, et puis cette table ronde aussi, c'est qu'on voit la place que les plantes jouent dans toute cette interrogation. Et je pense que ce n'est pas par hasard et que notre façon de regarder le monde végétal est en train de nous faire changer de monde un petit peu, parce que le comportement des plantes n'est pas celui des animaux. Et peut-être qu'on n'est plus dans le même régime de compétition et de lutte et de guerre et
Bon, de certains comportements, le monde des plantes est très pacifique, très généreux, très ouvert, très prolifique. Et peut-être que donc ça nous donne des indications pour d'autres façons de fonctionner dans la société. Alors je pense que le thème de cette table ronde est tout à fait en phase avec ce que porte en projet ce projet d'université du vivant. Alors là, je voudrais, comme petite introduction, faire juste un petit détour philosophique. Je pense que c'est intéressant parce que vous êtes quand même très nombreux à être venus participer à ce débat qui est vraiment une question philosophique. Quand je dis philosophique, il ne faut pas avoir peur, penser que c'est, on va parler de quelque chose de très désincarné, qui flotte très haut dans les nuages, mais vraiment, je pense que c'est une philosophie qui est ancrée dans l'action et dans les préoccupations. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, ça devient quelque chose qui concerne chacun d'entre nous. Alors, dans le titre de cette table ronde, on a le mot nature, et puis trésor, qui sont là un petit peu en miroir. Alors, la nature, c'est comme le vivant, c'est quelque chose, ce sont des notions qui sont très occidentales, et on ne les trouve pas nécessairement de la même façon dans des cultures orientales ou dans des cultures traditionnelles. Ce sont des notions qui sont toujours avec leur négatif, donc la nature contre l'artifice ou contre la culture, et puis le vivant contre le mort ou contre le mécanique. Donc on voit que c'est quand même très lié à notre mentalité dualiste d'occidentaux. Et si en fait, il y a des kilomètres qui ont été écrits sur ces notions, et en fait, on n'en fait jamais le tour, et on ne va jamais trouver une définition précise. Donc on s'aperçoit qu'en fait, quand on invoque la nature, quand on invoque le vivant, c'est très souvent parce qu'on voudrait conjurer quelque chose qui nous trouble et qui nous affecte énormément, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent le désenchantement du monde. Hein. Le monde occidental est désenchanté, et on a quand même ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, il y a une nostalgie, et quand on parle de nature et de vivant, c'est une façon d'essayer de le retrouver. Et là, tout de suite, on voit pourquoi le mot trésor est bien choisi, parce qu'effectivement, ça nous renvoie à cette dimension peut-être d'un paradis perdu, d'un monde enchanté, en tout cas de quelque chose qui est merveilleux, qui nous émerveille, qui est beau, qui est prodigieux. Donc on est vraiment, quand on est dans cette invocation de ces notions de nature et de vivant, je pense qu'on est vraiment dans le domaine de ce qu'on appelle le beau, avec un grand B. Et puis de chaque côté, dans la question qui est posée, on a perfectionner, puis de l'autre, connaître. Alors perfectionner, il y a le terme de perfection, la perfection c'est le bien suprême, on va dire. Donc on tend toujours vers quelque chose comme ça, mais c'est très humain, on aspire à quelque chose de meilleur, qui évolue, qui se transforme, qui progresse. Donc là, on est dans la question du bien, avec un grand B. Puis connaître, je pense que c'est assez évident, on est plutôt dans la question de ce qui concerne le vrai. Alors ce qui fait que dans cette question de cette table ronde, on a tout simplement les trois notions, les trois vertus de l'Antiquité, qui étaient le beau, le bien et le vrai. Et ces trois notions, dans l'Antiquité, elles étaient indissociables. Et aujourd'hui, on va dire que l'évolution, la transformation de la culture, et tout particulièrement depuis ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle dans l'Occident, eh bien cette union entre ces trois vertus, elle a explosé. Et on est entré dans cette ère de la science, du monde scientifique, et notamment dans cette culture scientifique, la place du beau. Alors le beau, c'est aussi le sensible, c'est l'émotion, c'est tout ce qui nous attache, qui nous relie, qui nous affecte. Ça a été évacué, parce que ça ne pouvait pas venir troubler la science, elle devait s'affirmer en dehors de toute ces sentiments, etc. Et puis surtout, cette modernité, elle a mis un mur infranchissable entre le vrai et le bien. C'est-à-dire qu'on a une science qui s'est édifiée sur la base qui était la science est neutre. Et donc, elle est pure et vierge. Et
Ce qui peut poser problème, ce n'est pas la science, mais c'est ce qu'on va faire de la science. Comment on va l'utiliser ? Alors là, oui, effectivement, ça peut être bien ou mal, mais la connaissance elle-même, elle serait neutre. Alors, on voit bien qu'avec la question de développement de la technoscience, hein, ce mur, il a totalement volé en éclats. Il n'a plus aucun sens. Parce que là, on est en train de nous dire, c'est de la science, mais c'est aussi bien parce que ça va être le progrès, ça va être meilleur, on va faire plus de choses, etc. Mais ce n'est pas seulement depuis la technoscience que le mur, en fait, ce mur, il a toujours été virtuel. Il n'y a jamais une mur, parce que la connaissance, elle n'est jamais neutre. C'est-à-dire que même une équation mathématique, elle peut transformer le monde. C'est-à-dire on ne peut pas connaître sans affecter la façon dont l'ordre du monde se trouve. Alors du coup, bon, là on est dans des questions qui peuvent paraître très, très philosophiques, mais c'était des questions qui étaient, on va dire, les questions de certains intellectuels à une certaine époque. Mais ce qui est intéressant, qui pour moi montre qu'on est en train de changer de monde, c'est que maintenant c'est ces questions de effectivement, est-ce qu'on est dans le vrai, on est dans le bien, c'est des questions maintenant qui concernent tout le monde. Et ça, c'est vraiment un changement. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux ici. Donc évidemment, ce n'est pas une question qui surgit aujourd'hui, hein. Ça fait quelques dizaines d'années. Et je pense que le mouvement va en s'amplifiant. Donc ce qu'on veut aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce n'est pas de plus de science, mais c'est de savoir de quelle science on a besoin. Alors ce n'est pas pour dire que la science qu'on a aujourd'hui, elle serait fausse, mais est simplement incomplète. Elle ne nous livre qu'une partie de la réalité. Et parce qu'elle est partielle, restreinte, comme on a dit, eh bien, elle nous laisse là un petit peu, finalement, insatisfaits, et elle engendre des problèmes, finalement. Alors, donc, la connaissance, maintenant, c'est notre affaire à tous. C'est-à-dire que nous sentons tous vaguement que, même si on ne comprend pas tout, on a envie de participer, chacun en nous a la capacité de contribuer. Alors, ça se met déjà en place petit à petit dans ce qu'on appelle la recherche participative, où il y a des collectifs hybrides, comme on dit, qui se créent entre des acteurs de la société et des chercheurs sur des questions environnementales, sur des questions de certaines maladies, sur des questions de genre, de minorité, sur des questions de sélection sur la question de la sélection des plantes, etc. Alors avec le projet d'Université du Vivant, donc qui est porté par une association qui s'appelle PEUV, pour l'émergence d'une Université du Vivant, il y a une radicalisation en fait de ce mouvement, puisque c'est vraiment un mouvement qui part de la société, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est de réfléchir à ce qu'on croit savoir sur ce qu'est le vivant. Donc le mouvement, il a démarré en petit en 2007. En 2008, ça s'est organisé avec la fédération de plusieurs organisations. Donc je vais essayer de ne pas en oublier. Il y a Nature et Progrès, l'ITAB, la FNAB, le réseau Semences Paysannes, le mouvement d'agriculture biodynamique, le groupe international d'études transdisciplinaires qui s'appelle le GIET, BD qui est une organisation biodiversité, échange et diffusion d'expériences qui travaille beaucoup avec les pays du nord de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest, et l'Institut Kepler. Et alors, en 2009, cette association PEUV, donc c'est une association de préfiguration, hein, c'est pas l'Université du Vivant, son objectif c'est de faire émerger cette université. Et donc, à partir de là, se sont mis en place un certain nombre d'actions, de rencontres. Il y a aussi des interactions qui existent avec InfoGM et avec la Fondation Sciences Citoyennes. Alors, quel est l'objectif pour le moment ? Ben, c'est de rassembler autour d'un projet qu'on va décrire assez simplement en disant, voilà, c'est la question du respect du vivant qui est au centre de ce projet de société. Il s'agit de faire évoluer à la fois nos représentations et notre perception du vivant. Je vais juste en donner, je ne pourrais pas évidemment faire tout un exposé sur ce que ça peut englober, mais bon, déjà se poser la question, qu'est-ce que c'est que le vivant ? Parce que est-ce que c'est seulement les plantes et les animaux, ou est-ce que finalement tout ce qui se transforme et évolue n'est pas vivant ? Est-ce que
les rivières sont vivantes, les mers sont vivantes, est-ce que la Terre, est-ce que l'univers, parce que l'univers a aussi son histoire, toute une transformation, une évolution. Donc à tous les niveaux, finalement, on trouve de la vie. Alors, peut-être la plus principale préoccupation qui est au centre du questionnement, c'est la question de la mécanisation. La mécanisation du vivant, une approche vraiment mécaniste. Alors là, c'est intéressant parce que la machine, finalement, elle a une double dimension. À la fois, elle a été la condition de l'élaboration d'une science et en même temps, et donc c'est quelque chose qui permet un certain affranchissement. Puisqu'avant, on recourait pour expliquer les choses à des instances magiques, à des esprits, à des divinités, etc. Et le fait d'avoir cette notion de machine a permis justement de s'affranchir de toutes ces représentations et de se donner les moyens de dire « mais j'ai la capacité en tant qu'être humain d'avoir une connaissance et ça ne dépend pas simplement d'une divinité qui tire des ficelles et dont je ne serai qu'une marionnette ». Ça veut dire aussi que l'être humain peut être responsable. Donc c'est très important. Donc c'est une condition de libération pour développer une connaissance, mais en même temps c'est une condition d'aliénation, puisqu'on voit que si on ne pense qu'en termes de machines, on aboutit à un monde qui est complètement déshumanisé et qui ne fait qu'engendrer de plus en plus de problèmes, et dont on a évacué tout ça, peut-être la dimension la plus cruciale, qui est le sensible, la capacité morale bien sûr, mais toute la sensibilité donc, que l'on a besoin de retrouver. Donc ça, c'est peut-être un des aspects centraux dans les préoccupations du projet, ça va être de réintégrer cette dimension sensible pour recomposer une connaissance du vivant qui ne soit pas simplement mécanisée. Et la plante semble jouer un rôle assez important dans ça. Alors, cette université du vivant, elle n'est pas du tout envisagée comme une sorte d'institution, comme on connaît, déjà des universités. Hein. Il ne s'agit pas de prendre un schéma d'en haut avec une sorte, un plan du phalanstère, hein, qui va nous permettre de construire une cité idéale dont on aurait le plan déjà dans la tête, préétabli. Là, c'est là que le mot émergence est très important. Dans le domaine de la complexité, l'émergence, c'est une notion qui est très liée à la question de l'auto-organisation. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire. C'est quelque chose qui se fait. Et qui se fait spontanément, qui n'est pas dirigé par un schéma directeur. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement mettre toute la bonne volonté qu'on peut. On peut rassembler toute l'énergie, toutes les bonnes volontés, toutes les compétences. Et puis, dans le domaine de la complexité, ce qui est important, ce n'est pas seulement les composantes qui sont mises en jeu, mais c'est les interactions, la qualité des interactions. Comment on se rencontre, comment on accepte la diversité, comment on la cultive, comment on cultive le pluralisme, le métissage, le croisement des points de vue, comment on est capable de s'écouter sans avoir forcément les mêmes points de vue. Donc, pour le moment, ce qui est privilégié, c'est d'organiser un certain nombre de rencontres sur différents thèmes. Et donc, il y a eu... Je vais juste en donner quelques-uns. Il y a eu notamment... Le premier, c'était la relation homme-plante. Donc, on voit encore que toujours cette question de la plante qui est là, qui nous pousse un petit peu à penser autrement. Donc, il y avait les nouvelles techniques de manipulation du vivant, donc, qui étaient organisées par InfoGM en partenariat. Et question de la sélection participative des variétés par les paysans, entre paysans et chercheurs, la question des normes et du vivant. Et puis, très bientôt, le 1er et 2 décembre, il y a un colloque public organisé par l'ITAB à Paris sur ce qu'on appelle les approches globales d'évaluation de la qualité. Vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle l'effet Kirlian, les cristallisations sensibles, les méthodes morphogénétiques, l'analyse sensorielle, etc. Donc ce sont toutes ces approches, soit des techniques, soit des approches qui font appel à nos capacités sensibles, qui nous permettent d'élargir, disons, la palette de ce qu'on peut appréhender du vivant.
Alors, il y a des, à chaque rencontre donne lieu à la publication de livrets, hein, de synthèses, voilà, qui sont des petits documents assez courts et synthétiques et qui sont vraiment, qui ont comme objectif d'être accessibles à un public assez large. Il y a un DVD qui est en préparation, qui a été tourné au cours d'un séminaire sur la relation homme-plante. On a aussi un site internet où vous pouvez retrouver toutes les informations de ce qui se passe. Et puis, si vous pensez que le thème de cette table ronde vous touche, alors dans ce cas-là, je pense que ce projet d'université vous concerne. Et là, je peux aussi annoncer donc, qu'il y a au mois de mars notre prochaine assemblée générale à laquelle sera attachée aussi un séminaire où il va y avoir une restitution de l'ensemble de ces rencontres et aussi évidemment d'essayer de réfléchir aux perspectives qui vont ensuite continuer d'animer toute l'année 2012. Donc je pense que c'est le bon moment, si vous vous sentez mobilisé par ces questions, de venir participer. Ce sera les 23 et 24 mars en région parisienne. Est-ce qu'il y a... Pour l'adresse. Est-ce que vous voulez bien répéter la question parce que toute la salle n'en a pas profité, pardon. On n'a pas eu l'adresse. J'ai demandé l'adresse de la première rencontre. Alors, la rencontre de l'ITAB, le colloque de l'ITAB. Alors, il y a quelques... j'ai imprimé le programme en quelques exemplaires. Là, vous l'avez à l'entrée. Est-ce qu'il y a eu une brochure comme ça? Parce que je connais celle de la sélection participative. Là, c'est Bède qui a fait ça. Hein. Est-ce qu'il y en a eu une sur les rapports avec les plantes? Alors, on t'entend pas, Marie-Paul. Est-ce qu'il y a eu une brochure comme ça dès la première réunion, celle sur le rapport avec les végétaux? C'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai travaillé sur nos rapports entre les plantes et avec les plantes et les pollutions. Et en partant du principe que ce n'était pas les plantes qui poussaient dans les villes, mais les villes qui poussaient chez les végétaux. Donc, je suis assez intéressée de lire cette publication, si elle a eu lieu. Oui, alors il y a eu en fait une première rencontre sur la relation homme-plante, et c'était en 2009, et là on n'a pas abouti à une synthèse, mais il y a eu une deuxième rencontre en Alsace au mois de mai, et là par contre il y a un livret qui est en préparation, la rédaction est en cours, et il y a eu aussi donc un tournage d'un DVD qui va paraître d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est édité par Université du Vivant. Donc, l'éditeur est Université du Vivant, mais c'est un collectif hein, qui publie ses livrets. Et donc, celui-là, c'est BD qu'il a fait, non ? Voilà, donc BD participe à tous, puisque il coordonne l'édition. Et puis, suivant les thèmes, eh bien, sur les nouvelles techniques de manipulation du vivant, il y a la contribution, donc InfoGM, hein, qui était organisateur, donc c'était suite à un séminaire, InfoGM, le réseau Semences Paysannes et le GIET. Et puis, le livret qui est sur la vision paysanne de la recherche dans le contexte de la sélection participative. Donc là, c'était dans le cadre d'un projet qui était financé par le ministère de l'écologie, Fondation Sciences Citoyennes et Réseau Semences Paysannes, donc étaient les organisateurs de cette rencontre. Je recommande beaucoup, moi je l'ai lu, c'est très bien. Oui, et maintenant, je pense qu'il y avait des questions dans la salle. Tout à l'heure, quelqu'un voulait poser... Non, mais j'ai eu d'autres questions au cours du débat. Attendez, vous allez avoir un micro. Oui. Et puis ensuite, il y a d'autres personnes là-bas. Oui, oui, non, mais Marie-Paul, il y a une personne là qui aimerait bien intervenir. Ben voilà. Excuse-moi, pardon. Je t'en prie. Non, non, moi c'est très court. C'est quand vous avez parlé du Desmodium, je voulais juste ajouter qu'il avait en plus la grande qualité d'être un puissant régénérateur du foie, qui est utilisé également dans les chimiothérapies, et donc aussi bien pour les êtres humains qui sont heureux de pouvoir bénéficier de ce produit, que pour les paysans qui font du maïs, peuvent avoir un bénéfice supplémentaire. Mais vous en avez parlé plus tard à propos d'autre chose, donc ce n'était pas vital de parler de ça. Si vous voulez, c'est juste les mêmes molécules. C'est les mêmes molécules qui ont un rôle dans le monde végétal, qui inhibent par exemple la germination du striga. C'est ces molécules qui sont hépatoprotectrices. Et Desmopar, par exemple, vous avez des formes... Pour les gens qui auraient des problèmes, on peut trouver des préparations qui contiennent du desmodium, qui est un puissant régénérateur hépatique, effectivement. Oui, ça c'est très intéressant. Oui, alors
Alors voilà, moi je vais prendre la parole avant de passer le micro à la salle. Bon, d'abord je veux vous remercier pour votre conférence qui était très très intéressante. Je crois qu'on peut les applaudir, soit la passée.